les amis, c'est JDVM, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouvel épisode de Miku. Et on approche tout doucement de la fin de cette série. Et, enfin, du moins de cette saison 1. De la saison 1 de cette série, les amis. La saison 1, voilà, la saison 1, je vous le dirai. Voilà. Donc, la fois passée, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait gelé un envahisseur. Bah, je vous laisse découvrir l'épisode simplement. Hein. Comme d'habitude, je vous mets en fiche. Enfin. Donc il y a un petit rond en haut à gauche, en haut à droite de ma vidéo, un petit rond avec un i, vous cliquez dessus, et là vous avez les fiches, là vous avez le lien vers la vidéo, vers l'épisode précédent, parce que voilà, comme ça, si vous l'avez loupé, voilà, vous l'avez directement, et en fin de vidéo, donc vous avez aussi le lien vers la playlist, si vous venez de découvrir la série, et que vous dites, tiens, je vais un peu regarder depuis le début comment Josine est arrivée là, donc voilà, parce qu'on en a fait du chemin, hein. On en a fait, donc... On avait dit qu'on donc on est au niveau 9 de la catégorie de, du métier de scientifique. Et on va tout simplement, donc on a fait toutes les découvertes. Donc maintenant on n'a plus qu'à rusher pour avoir le niveau 10. Mais aujourd'hui, on va un petit peu se détendre en amoureux. Voilà. Donc je vais téléphoner à Keito. Ops, amour. On va l'inviter sur Terre actuelle. On va l'inviter chez nous. On va l'inviter chez nous. Tu viens? Allez, Keito, viens. Keito Taro va arriver. Je sais pas pourquoi je l'appelais Taro. Ah oui, si, je sais pourquoi je l'appelais Taro. Les fans de Keito savent peut-être aussi. Je vais passer mon temps à vous expliquer, c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce que t'es peut-être... Mon chéri d'amour, coucou! J'ai fait des découvertes, Keito, si tu savais. Si tu savais. Elle habite un beau quartier, l'air de rien, quand même. Hein. Demande un petit prêt. Tu me files du fric, Keito. Si tu me files pas du fric, je te gèle. La meuf, super sympa. Ouais, on va essayer de bien grimper notre... notre relation avec lui. Conversation agréable. Ouais, non. Amour. Amour, gloire et beauté. Hop, ça, on s'en fout. Ah, voilà, il y a des trucs avec Keito. Faire crac-crac avec Keito. Bah, écoutez, ça va. Ça va la... Ça va l'occuper, j'ai envie de dire, hein. Donc pour ceux qui parlent de faire un bébé, ça sera peut-être pas tout de suite. Ça, je pense que je ferai ça en fin de série. En toute fin de série, je sais pas, voilà. Voilà. Oh là là, mon Dieu, que ça a grimpé son divertissement. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle se sent bien. Plus de choix. Demandez d'être son petit ami. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, comme ça, ça sera le petit ami officiel de Miku. Yeah! C'est cool! Ah, voilà, c'est notre mec. Il est très concentré. Mais qu'est-ce qu'il y a d'être aussi concentré? C'est ouf! Devenir meilleur ami? Moi, mais non, on a déjà Luca. Et je crois qu'on peut pas avoir plus d'un meilleur ami dans le jeu. Ça, c'est un peu dommage parce que moi, en vrai, j'en ai plusieurs de meilleurs amis. Donc. Très inspiré. Mais son cerveau va exploser à un moment, c'est pas possible. Moi, je vais prendre une chute d'ADN, voilà. Ah, super, bah voilà. Maintenant, j'ai mon fournisseur d'ADN officiel. S'il est. Si les autres ne veulent pas... Jouer la sérénade. Ah, Keito. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec lui? Se marier. Oh, on pourra le faire, mais pas... Non, pas dans cette saison. Pas dans cette saison, voilà. Pas dans cette saison, mes amis, je vous le dis. Ouais.
Oh là là, quel amour caliente! Oh, moi je vais faire encore des bisous. Moi je fais encore des bisous. Moi je vais faire un gros bisou. Allez, embrasser. Faut une petite photo pour la miniature de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Voilà. Parce que ça, c'est l'amour. Parce que c'est beau l'amour, les amis. C'est beau l'amour. Putain, moi j'aime l'amour. C'est beau l'amour. Tout le monde aime l'amour, généralement. Tout le monde. Essaie de faire un bébé, peut-être pas. Bon. Amical. Autre. Non. Plus de choix. J'ai envie que tu partes, en fait. Plus de choix. T'as pas envie de te casser? Oh, et puis. Ah, bah super, merci. Oh, à croire qu'il m'a entendu. À croire qu'il m'a entendu. Bon, j'allais m'occuper du jardin. Récolter les produits. Je sais pas si on va se faire une tournée avec les vocaux ou pas, au final, maintenant, vu qu'on a quand même bien avancé. Je pense pas qu'on avance aussi vite. Hop. Désherber. Voilà. Oh, allez, on va aller aux ruines. Allez, hop, on va aux ruines. Ok, on y va juste ensemble. Je vous prends là-bas. Les amis, Donc, aux ruines, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que t'as vu, Kaito? Ah, c'est juste une fête, en fait. Wouah! C'est juste une fête. D'accord. Oh, mais c'est mignon. Il veut pas se tuer avec moi. Je sais, si je regarde par là, je regarde juste mon retour, savoir si tout va bien. Parce que j'ai utilisé XSplit pour record cette vidéo. L'autre qui a encore le cul à l'air. Mais il faudra vraiment que je... J'ai trié mes mods, donc du coup, c'est le bordel avec les mises à jour. Tout... Oh, il y a Lucas! Est-ce que je peux peut-être pas modifier les options du jeu, les musiques, audio? Ok. Les modifications, voilà. Hop. Oh, il y a d'autres vocaux qui sont là. Attendez, on va commencer. Hop. Moi, je dis. Commencer une réunion. Hein. Moi, je dis, voilà. Écoutez, il y en a qui sont là. Yeah! Ah, la musique, elle est cool! Prendre des frites! Je veux des frites! Bientôt, je mange des frites, en vrai. Ah, mais c'est des frites, eux, c'est des chips, en fait. Bon, comment ça se passe? Là, on se demande comment elle voit avec ses lunettes de soleil, sans déconner. Désolée, j'ai encore une idée chelou. Oh mon Dieu. Ça devient chaud entre eux, les amis. Hein. Où est-ce qu'ils sont? Amicou, et hop, petite claque sur les fesses. Bon, on va les laisser faire leur affaire. Hein. Ah, voilà. On va regarder un peu ce que les autres font pendant ce temps-là. Écoute, t'es toujours à poil là. Bah écoute, ça va, t'es bien entièrement décomplexée. Ça, c'est cool, madame. Miku qui est en mode de très bonnes ondes. Les civières se réjouissent des émotions positives. Faut que j'arrête avec ces jeux de mots, mon Dieu. Attendez, la Magic Ball, j'ai une Magic 8 Ball, c'est un truc que vous secouez pour des réponses. Est-ce que je vais me calmer pour finir? Qu'est-ce qu'elle me dit, ma Magic Ball? Oui, ok, elle me dit oui, c'est bien. Ça va, c'est fini? Ah bah c'est bien! L'autre qui se ramène, ça va, c'était bien? Vous avez fini avec le buisson? Est-ce que je peux pisser dedans? Ah merci!
Ah, tu sens la mort. C'est n'importe quoi. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Allez, ici ensemble. Voilà, hop. Et on va danser ensemble. On va tous danser. Yeah. Je vais essayer de mettre le truc vraiment pour que vous fassiez un petit peu de musique. Voilà. Nickel. Ah, ça c'est cool. Bah, la soirée danse est presque finie en plus. Ah non, c'est bien là, elle sera. Ah oui, là elle est bien, là elle est bien divertie. Pour recommencer le boulot là. Est-ce qu'on peut améliorer le groupe? Je vais regarder si on peut acheter des trucs, acheter des avantages de groupe. Est-ce qu'on a des choses qu'on peut acheter? Groupe fréquentable, on avait déjà acheté, la poignée de main on avait acheté. On peut acheter ça. Taille du groupe, voilà. Donc on a une taille, donc on peut ajouter un sim si on veut. On pourra refaire un vocaloid éventuellement, je verrai bien. Je verrai bien qui je vais faire. J'aurais bien qui je vais faire. Peut-être un autre mec. Pour un peu égaliser. Parce qu'il y a deux mecs pour le moment. Pour 5 meufs. Enfin, égaliser, on va pas égaliser, mais voilà. Voilà, au moins un groupe un peu plus grand. C'est un peu plus cool. Ah, comme elle danse, Miku. Oh, regardez-moi ça, ce déhanché. Ce déhanché qu'elle a eu là. Oh! Elle va mettre part dans la tronche de son pote. Waouh waouh waouh, c'est dans de la fougère. Waouh waouh, c'est ouf. Oh mon dieu. Elle est en mode waouh. Elle est posée là, elle est cool hein. L'autre qui est encore à poil derrière. Faut vraiment vraiment que je relook cette Sims. Parce que je l'ai déjà fait en plus, mais non. Ça ne va pas. C'est un Sims nudiste qui aime bien... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. C'est comme ça. On peut pas tout contrôler dans ce jeu apparemment. Oula, oula, le petit pas de danse de Luca. Regardez-moi ça, là, genre... Wow, danse du robot, c'est fait. Trois petits pas, là, c'est bien. Oh mon dieu. Par contre, cette tenue te grossit, Luca, c'est abominable. L'autre qui est encore à poil là, non, je la cache, voilà, je la cache. On ne la voit plus. On ne la voit plus. On va se faire dans 30 minutes, on va être temps. Bon, hop, je peux avancer. Il est 3h du mat, Miku sera sorti, mais... Truc de ouf. Ça va finir? Yes, ben voilà, la soirée est finie, ben moi je vais, elle va retourner chez elle, hop, les amis je vous reprends chez elle. Les amis, donc Miku ici là, un petit dodo hein, un petit pipi et un petit dodo, ça fera pas de tort, un petit pipi, une bonne douche et un petit dodo, voilà ça c'est bien, ça c'est le combo gagnant. Rentrer à 4h du mat d'une fête, ça j'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Au boulot, à mon boulot, chaque année, le patron nous a fait une soirée pour toute la société, pour toutes les meufs de la société, enfin, tous les employés de la société. Donc, du coup, bah, c'est une fête qui se passe à Bruxelles, j'habite Liège, donc voilà, on rentre très souvent très tard, ou très tôt, peut-être dire ça comme ça. Donc. Ah, mais merci, personne que je ne connais pas, c'est très gentil. Donc, ce qu'on va faire après, on va continuer l'entretien du jardin. Être bien, bien, bien. Avoir un bon jardin, un beau jardin. Je vais récupérer peut-être quelques... je sais pas, je te connais pas. Et voir... What? Attends, attendez. C'était quoi ce truc? Gumi Yuki? Ok. Bon.
Donc, je vais voir pour récolter un petit peu les trucs alentours. Vous voyez, les trucs comme ça peut être bien. Peut-être commencer un petit peu la compétence de pêche aussi, parce que j'aimerais bien faire un peu toutes les compétences avec mes coups. Voilà. Donc, hop, ouvrir. On va se manger des petits pancakes. Voilà. Voilà. Elle doit déjà retourner pisser, c'est abusé, quoi. Voilà. Hop. J'ouvre un petit peu ma truc. Hop, ouvrir. Est-ce que je peux peut-être ranger des... C'est quoi ça? Oh, c'est des super fruits. Le truc de sureau. D'accord. Je vais mettre ça là-dedans. Allez, dedans. Tu peux te mettre dedans. Voilà. Ça, je garde. Les pommes de terre, je les range dedans. Des oignons, je les range dedans. Du basilic, je le range dedans. S'il te plaît, tu te mettre dedans. Peux-tu te mettre dedans le basilic? Voilà. Il lui fallait juste le temps, en fait, qu'il se rende compte. Ah, d'accord. D'accord. Parce qu'on a déjà tellement de trucs. Les fraises dedans aussi. Le persil dedans aussi. Oh, regarde, et toutes les boîtes qu'on a. Hop, aussi dedans. Et ça, hop, aussi dedans. On va ouvrir les boîtes. Je vois qu'on a pas mal de boîtes à ouvrir. Hop. Ouvrir. Chef Gino. On a le chef Gino. Est-ce qu'on l'a déjà? Non, on l'avait pas encore. On va le garder pour décorer un petit peu notre cuisine. Chef Gino. Voilà, hop. C'est mignon. Mettre ça même là, ici, voilà, comme ça. On avait un petit scientifique un peu qui avait une tête un peu crazy. On va peut-être se... Oula, il n'y a pas du tout de lampe ici en bas. Ah bah si, on avait deux. C'est juste que c'est pas allumé, d'accord, ok. Mais oui, mais je... Oui, non, il faut quand même, il faut quand même que je retourne dedans, qu'on mette des étagères. Hop, surface. Mettre des étagères. Étagères, s'il te plaît. Et hop. Hop, hop, voilà. Comme ça, et je vais mettre mes petites figurines dessus. Voilà. Petit scientifique fou que je pose. Hop, voilà. Autre boîte à ouvrir. Hop, ouvrir. Qu'est-ce qu'on a eu? Trevor Verelli. Est-ce qu'on l'a déjà? Est-ce qu'on l'a déjà? Non, pas encore. Buddy, on l'a pas encore. Je vais remettre des étagères ici, en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que je me rends compte, c'est que je peux... Ma télé qui passe à travers. Je vais m'acheter une plus belle télé, parce que là, j'en ai marre. Attendez, hop. Resurface. Les étagères, voilà, je vais prendre celles-là, elles étaient vraiment bien. Je peux pas mettre. Pourquoi je peux pas mettre ça? C'est ouf ça quand même. Peux pas croiser d'autres objets, what, de quoi? Ok, d'accord. Bon, hop. Voilà. Ok, voilà. On va mettre. Vous savez quoi? Je vais mettre carrément là comme ça. Non? Oui! On va les mettre comme ça, elles vont traverser. Je vais en rajouter une, comme ça va traverser la pièce. Non, attendez, j'ai une idée. Hop, on va mettre ça vraiment plus haut. Voilà, hop, ça traverse la pièce. Moi, je trouve ça cool. Ici, on va quand même mettre un rideau. Décoration. Rideau. Du moins une persienne. Voilà, comme ça.
Ouais, ça c'est bien, voilà. On va mettre nos trucs ici, nos petites figurines ici. Ah zut, j'ai oublié d'acheter la télé. Mais je suis trop con, j'ai oublié d'acheter la télé, quoi. J'ai oublié d'acheter la télé, ça c'est tout moi, ça. Ça c'est tout moi. Hop. Électronique. On va prendre une belle télé. Hop. Parce que en fait, ce tapis, je suis vraiment pas fan. Surface. J'ai super chaud, les gars, je vous promets. Là, j'ai Gérard près de moi. Vous voyez cet épisode? Oui, on arrive tout doucement à la fin du mois d'août. Mais moi, ici, là, j'ai chaud. Je trouve que cet épisode à l'avance, comme d'habitude, vous savez. Hein, ça, je suis obligée. Donc, électronique. Hop. Voilà. On a une belle télé. On a un bel écran plat. De toute façon, on va essayer à un moment d'améliorer le salon. Je vais sûrement décaler le salon, garder ça comme hall d'entrée, mettre le salon ici, encore changer, mettre la cuisine plus loin. Voilà. Il y aura... Cette maison sera encore sujette à des changements. C'est que le début. Donc, toi, hop, tu vas aller là. Donc, ouais, je vois qu'on dépasse un petit peu le temps que tu es parti. C'est pas grave. J'ai super chaud, les gars. Je me mets un petit coup de Gérard parce que là, j'ai super chaud. Morcillus. Lui, on l'a déjà. Donc, je revends. Ouais. Ouvrir. DJ Candy. Elle, on l'avait pas encore. Donc, je l'ouvre. Hop. Ouvrir. Donc, pour ceux qui savent pas, j'ai un peu joué à My Sims, en fait. Mais... voilà, c'est très bien, mais très répétitif. Donc, du coup, voilà, le jeu m'a plus trop tenté. Toi, je t'ai déjà, donc je te revends. Voilà. Eh bien, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Voilà, on a complété notre collection de petites figurines My Sims. Elles sont toutes trop choues. J'essaie de les mettre dans un endroit un petit peu normal, hein, enfin un peu plus adapté. Donc il y en a une qui est dans le laboratoire. Gino, ici, que j'ai mis, c'est dans la cuisine. Parce que c'est tout à fait l'endroit adéquat pour décorer. Donc voilà. Les amis, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un moment en ma compagnie. Je vous fais des tonnes de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en description de vidéo, comme d'habitude. Donc voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.